Tu rentres dans le bar à ce moment-là. Cool. C'est cool. Ça va bien. C'est bravo, ça aussi. Franchement, moi c'est finalement. En fait, moi j'ai délivré, moi je suis presque. Il faut avoir. Oui. Moi, ça me dit, je vais en boîte. Je vais rentrer. Tu commences à les Non, on a deux amis qui habitent là-bas et on m'a invité. On a rusé une semaine de vacances. Pendant quoi je me désaltère au bistrot. Ma fiancée fait du jogging. Pendant quoi je fais du surplace aux âmes. Femme idéale, elle est la femme idéale. Oh, femme idéale, elle est la femme idéale. Oh, femme idéale. Comme je ne travaille qu'à 12 homéopathiques. Ma fiancée. Parce que Lulu, elle travaille le vendredi, ailleurs. Ah, tout est bien. Non, mais attends. Oh, mais t'as... When I look into the mirror, what do I see? Can I really be honest?
honest. I can't confess, I never really took care of myself, and I will know I'm so free today. Those walls are free now, my wounds on inside anymore. Yeah, I can't see them, and that's why I'm going home from today. Les bulles, et tout le monde en fait. Et je te parle de 100 personnes. Et pourtant, chez nous, on a dans notre tradition l'habitude d'accueillir les invités à notre façon. Mais quand les invités, ils viennent juste à la porte. Mais à leur arrivée. Là, je traduis en français parce qu'elles parlent en russe. Je ne sais pas parler français, excusez-moi s'il vous plaît. И потому что у меня нет времени вас встречать у порога. Et parce que j'ai pas le temps de vous accueillir sur le seuil. Я все равно хотела бы вам представить русские обычаи приема дорогих гостей. Je voulais quoi qu'il en soit vous présenter, vous proposer notre tradition à nous d'accueil russe. Ça va toujours? On danse plus que jamais. La morale de ces histoires, eh bien, je crois qu'elle est faite. Si tu pètes dans ton dortoir, le clairon sonnera ta défaite. Alors fais plutôt comme moi, serre bien tes petites fesses. Et peut-être que tu conserveras ta belle princesse. Ouais ! C'est pas fini ! C'est une bonne soirée, merci Nathalie.